Oh, le méga spoiler. Bon, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va se streamer du shmup pressant. Eh oui, eh oui, eh oui, ça peut arriver. Malgré qu'il soit un petit peu en déclin, ah, l'univers du shmup continue d'accoucher depuis les années 2000 de jeux tout à fait recommandables. Tu reconnaîtras la largeur d'écran qui correspond à deux écrans normaux. On est là en face d'une des dernières versions de Darius que je n'ai jamais touché. Alors Darius, oui, bah, c'est un des plus réputés shooters horizontaux avec R-Type. Et c'est pas pour rien parce que tous les deux ont en commun un niveau de difficulté qui est pas mal corsé. Donc voilà, moi j'ai jamais foutu les pieds là-dedans, donc j'essaie d'anticiper ce qu'il y a mis, si le bon machin. Donc j'ai trois catégories d'armes que je vais pouvoir upgrader au fil de ma survie. Regardez-moi ça, c'est une mise en bouche. Bon, les noms, c'est peut-être pas terrible, les gars. Non? Ok. D'accord. Et voilà comment ça va se dérouler. Alors, c'est assez étrange parce que, du coup, avec ce super widescreen qui est désormais la marque de fabrique de Darius, ça vous laisse anticiper des choses, mais je pense que les programmeurs ont dû jouer de ça justement pour eux-mêmes anticiper d'autres choses et ils vont me faire un enfer sur l'écran, je pense. Allez, même pas peur, même pas mal. Goûtons voir de cet enfer pavé de boulettes. Piu, 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 piu. De rien, 3. C'est assez ça. Ça servira. Donc j'ai des missiles. Ils sont vifs, hein, les copains là. Non? Ne revenez pas derrière. Hein. On va se mettre dans la zone médiane de l'écran. Je pense que c'est peut-être pas débile, hein, comme. Putain, mais comment on fait pour les dégommer? Je tire avec, hein. J'ai l'impression de tirer des Kleenex. Parce que les mecs, ils rigolent là. Quel enfer. Ah, puis eux, ils ont le droit de passer à travers le décor, tu vois, tranquille. Comment ça, je me plains, on dirait un stream de je ne dirai pas qui. Pas du tout. Mais ça fait quand même chier. Oh putain. Ah, on m'a arrivé des bricoles là-bas, je pense. Monsieur, non, monsieur, monsieur, on ne fait pas ça. Non, ça c'est le mal. Il me faut une touche turbo. Hey, oh, quelle mina, Malovignou. Elle est tout orikiki, mais crapouton, quoi. Et crapouto, crapoutard, crapoutapoing, quoi. J'ai mon shield qui est en train de se barrer. Ah, je suis à poil. Oh, putain, je vais prendre cher. C'est qui me remet en arrière, ce couillon? Je vais te remettre en arrière, là, pile où t'es pas passé comme il faut. Bah, bien en arrière, quand même, quoi. Parce que on est une borne d'arcade. Et la borne d'arcade, elle aime tellement les pièces. Qu'elle ferait n'importe quoi pour que tu en remettes le plus souvent possible. Je n'ai pas de shield pour passer ce passage merdique. À ce cure. Dégage, con de mime. Alors, niveau bruitage, c'est quand même. C'est pas ce qu'on a fait de plus génial. Bon, je regarde la date. Oh, j'étais mort en plus, pile avant le boss qui lui va me souffler à la gueule et me tuer en un coup, je pense. Laisse-moi deviner, il aurait pas une forme de poisson, un peu ton truc? Parce que ça aussi, ça fait quand même partie de la marque. Ouh là là, il va me faire un sale coup, lui. De la marque de fabrique des Darius, c'est son univers à queue. Non, je n'imite pas Johnny, c'est son univers à queue. Ou aquatique, si vous préférez, quoi. Et donc, le temps que je me débarrasse de ces putains de vitesse de boulettes. Non, 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 non. Mais prends garde à mon courroux, mon ami. Eh oui, non, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, là, mais ça va pas tarder, parce que moi, qu'on se comporte aussi mal, c'est la fessée directe. Hein. Parce que j'aurais pas moyen de lui bomber la gueule si je me rapproche assez. Quoique non, mon tir de bombe est complètement. Quelle expression je pourrais inventer pour cette façon de bomber comme une merde. Oh putain, il va me gonfler. Bon, on va y aller doucement, on va faire comme le noob, on va rester loin et patient. Non! Oui, mais je vais continuer là, je vais pas recommencer en arrière. Merci, tu me comprends, tu me lis dans l'esprit, c'est magique. Attention, monsieur, il y a des boulettes qui arrivent. Regardez-moi ça, il est tout énervé. Je vais t'avoir avec mon pistolet à bouffon.
Tu le sens, mon courroux? Quelle patience. Non, 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 c'est pas le con. Le petit carré qui me tourne autour pour m'aider à pas me concentrer, c'est vraiment pas sympa, quoi. Je pourrais avoir. Je suis pas bon à Darius. C'est ça que vous vouliez entendre. Je suis pas bon à Darius. Je n'y arriverai jamais. Allez, je pense que vous allez le voir souvent, ce poisson. Donc habituez-vous un petit peu, hein, parce que voilà. Mais je pense qu'il doit y avoir un bouton caché que j'ai pas compris. Non? Vraiment? Faut que je me batte dans cet état-là contre ces choses méchantes qui en veulent à ma pauvre carcasse et ce frêle vaisseau en carton. C'est quoi un vaisseau qui pète du premier coup? Ça se fait plus, ça. De quand tu dates, Darius? Je vais te massacrer. Je vais pas te mettre dans les sélections, hein, si tu me laisses pas passer ce boss. Voilà le chantage ignoble que je suis obligé et contraint de faire à un jeu. Pour qu'il me laisse un petit peu de chance de passer son boss, qui est quand même le premier boss, donc c'est-à-dire celui qu'on passe normalement les doigts dans le nez. Apparemment, moi j'ai un tout petit nez, je pense. Les doigts ne rentrent pas. Et puis voilà, non, on va pas continuer. J'ai fait mes 5 minutes réglementaires. Donc, c'est lequel de Darius celui-là? C'est Darius World, il me semble. C'est validé, parce que les gens qui savent jouer à Darius trouvent que ce jeu est génial et je les respecte. Vous aurez compris mon avis personnel sur cette histoire, c'est que moi, Darius, hein, franchement, voilà, c'est pas mon kiff. Mais bon, c'est un très bon jeu, c'est un très bon shoot. Difficulté corsée. Là, vous avez vu quelqu'un de mauvais qui jouait, qui n'arrivait pas à passer le premier boss. Mais je vous garantis que quelqu'un qui sait jouer, qui vous emmène au deuxième ou troisième boss, bah, regardez les super plays, hein, sur les chaînes des voisins. Vous aurez très très vite une idée de ce qui se cache derrière ce jeu, qui, si vous le trouvez en arcade, vous ne pourrez pas le rater, vu qu'il tient sur deux écrans. Donc l'effet widescreen, c'est qu'à la base, la borne d'arcade, c'est un double écran, tout simplement. D'ailleurs, on y reviendra, puisqu'il y a une version Steam, si je ne m'abuse, qui, elle, peut vous faire du double écran à la maison, si vous avez des configs PC double écran. Et aux joies, au bonheur, je vais voir si ça stream, parce que c'est le cas ici. Je ne m'étale pas plus, je ne m'épate pas plus. C'est l'heure d'aller se coucher. Allez, on range papy, on se retrouve pour un prochain stream où il y aura probablement, ben je crois, des boulettes encore. À plus, ciao!